Nous revoilà, donc on est bien dans My Blog, désolé pour la coupure. Voilà, donc on clique sur My Blog, on arrive sur cette page. Là, vous avez vos favoris. Donc c'est une option qui a été débloquée grâce à la plateforme Secrétaire Indépendante Online. Donc c'était une option en plus chez MoXML en général. Voilà, donc c'est l'option Globe, My Globe, c'est relié. Comme je vous disais tout à l'heure, là vous rajoutez vos favoris. Donc, vous voulez rajouter par exemple votre compte Facebook, ajouter. Voilà, donc là on peut l'appeler par exemple Facebook. Vous pouvez préciser la page Facebook MoXML. Je l'ai déjà donc sous les mains. En observation, vous pouvez mettre pareil, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, je vous montre comment ça marche. Ici, bon, on peut mettre en page d'accueil ou pas, réseau social, site, on met comme on veut. Vous pouvez créer des catégories en allant sur les catégories ici pour gérer les catégories tout en haut. Voilà, retour à la liste. Donc là, on l'a mis. On va lui mettre une photo. Mettez la photo que vous voulez. Hein. Alors, dans le thème, vous avez quelques photos dans le thème déjà. Alors, la grosse erreur, c'est souvent un clic sur le bouton rouge et ça vous supprime toutes les photos d'un coup, tout le répertoire d'un coup. Attention, bouton rouge, danger. Voilà, on peut utiliser par exemple Facebook comme ça. Donc là, il suffit de... Vous voyez, on a mis un titre pour le bouton, Facebook MoXML, une note pour soi-même. Voilà, c'est ma page Facebook, c'est mon compte, c'est le compte que je gère pour tel ou tel client. Et là, vous avez ici le picto qu'on a rajouté. Facebook qui s'ajoute en dessous, l'aperçu s'ajoute en dessous. Et ici, vous mettez le lien de votre compte Facebook. Donc HTTPS. Facebook.com. Voilà, par exemple, le mot c'est... Donc là, on publie. On peut retourner à la liste. Donc, on est dans le mode édition. Donc, c'est exactement le deuxième bouton ici. C'est le troisième, pardon. Là, c'est pour directement éditer un nouveau favori. Voilà. C'est donc le menu My Globe est ici. Vous pouvez ajouter un article, enfin, un nouveau favori ici directement. Ou là. Nouveau favori, nouveau ou ajouter. Et pour éditer ici un ancien par exemple, vous pouvez aller sur là, vous arrivez sous forme de tableau, vous pouvez cliquer dedans, changer une caractéristique, l'enregistrer. Voilà. Donc on revient aux modifications qu'on vient de faire. On a rajouté Facebook.xml, si on clique dessus. C'est un peu lent avec la vidéo. Mais bon, il ouvre bien le Facebook. Hein. De MoXML. Voilà. Il l'ouvre dans un autre onglet, donc on peut le fermer, c'est facile. Et on est parti donc. Voilà, MyGlobe, c'est. N'hésitez pas à vous en servir pour rebondir directement sur un site que vous utilisez souvent, qui n'est pas encore répertorié dans Globe. Voilà, Globe pour les réflexes, pour la facilité, et puis pour ce qui n'existe pas, vous pouvez vous créer vos propres favoris. Ensuite, suivi, vous avez le score. Comment ça fonctionne? Je vous laisserai regarder, il y a des tableaux, c'est simple. Statistiques. Donc c'est un peu comme la page overview, avec de sensibles différences. Vous avez ici des bonus à débloquer, donc on les voit pas bien ici, par contre dans Overview, on les voit mieux. Vous voyez, il y a score, statistique, et là maintenant on va sur Overview. Voilà, ici on voit mieux où vous en êtes en pourcentage par rapport à l'option à débloquer. Voilà.
Ensuite, vous avez à la fin votre hébergement ici. Il vous permet donc de d'avoir toujours un œil, savoir où vous en êtes sur votre hébergement. À la date de début, date de fin. Vous avez un bouton régler ici ou ici. Et une petite phrase en vert pour vous dire qu'il est valide, il est en cours de validité, ou en orange pour vous rappeler que ça va être bientôt la fin de l'hébergement, ou en rouge. Donc là, à ce moment-là, l'admin sera fermé, il ne vous restera plus qu'un bouton pour aller régler, ça va bloquer toute l'admin. Voilà. Au bout de 30 jours, ça se bloque, s'il n'y a pas eu le paiement. Voilà. Donc voilà pour le suivi, on a fait les 4. On continue avec paramètres. Donc là, c'est un peu plus technique, c'est la configuration de base. Donc on l'a abordé aussi dans les premiers pas, dans les premiers settings. Là, n'hésitez pas à mettre vos mots-clés séparés par des virgules dans les méta-descriptions et méta-keywords. Hein, les deux sont importants. Voilà. Paramètres d'affichage. Donc, ici, on touche jamais le home PHP, on laisse comme ça. Tri des articles, en général, on laisse en date décroissante. Et là, vous pouvez changer, par exemple, le nombre d'articles affichés par page. Aussi dans la page donc d'accueil des mots-clés, c'est par mots-clés, la liste des articles par mots-clés, combien on en affiche, 5. Pareil pour les archives, donc 5 articles par page. Dans l'admin 10, je vous conseille d'en garder 10 tout le temps. Hein. Bon voilà, vous avez quelques réglages ici. Vous pourrez découvrir petit à petit. Avec des vidéos tuto un peu plus approfondies plus tard. Compte utilisateur, donc c'est ce qui vous permet de gérer votre équipe ici. Vous avez un petit une petite note qui vous dit un peu comment utiliser cette page avec les différents la différente hiérarchisation, les niveaux, donc le rédacteur qui a accès aux articles, l'éditeur qui a accès aux articles et aux catégories, le modérateur, donc qui a accès aux articles, catégories et commentaires, le manager, donc qui aide aussi avec les pages de statut du site, et l'administrateur qui a accès aux paramètres, plugins, thèmes, etc. Donc voilà, administrateur, donc c'est vous. Et si demain vous voulez monter une équipe et ne pas donner accès à toute cette admin, déjà c'est compliqué, et puis on peut ouvrir des comptes utilisateurs. Donc, il vous suffit ici de choisir un identifiant, un mot de passe et choisir ici son niveau dans l'équipe. Vérifier qu'il soit bien actif et modifier la liste des utilisateurs à chaque fois hein, pour bien enregistrer les modifications. Vous pouvez lui choisir un nom d'utilisateur éventuellement, sinon il se mettra automatiquement en fonction de l'identifiant. Voilà, donc paramètres, on va voir aussi configuration avancée. Bon, une petite chose quand même dans l'utilisateur, voilà, quand vous tapez les mots de passe, vous avez un indicateur de si le mot de passe est fort ou faible selon un code couleur. Voilà. Vous voyez, donc n'hésitez pas à mettre un mot de passe avec du vert ici. Voilà, donc on continue. Après les utilisateurs, configuration avancée. Donc ici, tout doit être sur oui. Voilà. Ici, vous avez encore la clé d'admin. Donc la clé d'administration, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut la supprimer à tout moment. Cliquez entrée et ça la réactive. Ou modifier la... Alors, voilà. Aller trop vite, voilà, ou entrer ou modifier la configuration avancée, pas les deux comme je viens de faire. Voilà, là c'est un peu long à cause de la vidéo. Donc voilà, ici on laisse tout comme ça, ça vous donne l'emplacement racine de vos fichiers en fait, où ils sont pour les data, pour les articles, les commentaires, les statiques, vos médias, les thèmes et les plugins. Donc à ne pas toucher, vous pouvez laisser comme ça. Voilà.
Donc on a vu, on va voir My Contact maintenant. My Contact, ça on l'a déjà vu ensemble, donc c'est sur My Contact, vous pouvez toujours revenir sur paramètres.